Nowadays, it's normal to think that the plague no longer exists. But in countries like Congo, Kinshasa, and Madagascar, people die from this highly contagious disease every year. In Madagascar, people are still becoming infected, and the chance of a major outbreak has not gone away. Prisoners, often in overcrowded and unhygienic prisons, share their quarters with hundreds of rats and disease-carrying fleas. Aujourd'hui, la peste à Madagascar, c'est plusieurs centaines de cas chaque année. De peste pulmonaire, dont beaucoup meurent, de peste bubonique, certains survivent. Et donc, c'est toujours un problème pour contrôler cette maladie. Si la peste rentre dans les prisons, ça serait une sorte d'explosion atomique de la peste au sein de la ville. Et jamais les murs des prisons n'empêcheront finalement la peste de sortir et d'envahir le reste de la ville. Non, ça c'est depuis le cahier. On pulvérise toutes les chambres pour chasser les puces, les cafards, les punaises, toutes les petites bêtes qui sont sur les bas-fronts, qui sont dans les murs. Et on essaye de faire ça tous les 6 mois. Et c'est les détenus qui le font eux-mêmes. Et nous, on essaie de les former. Et l'objectif, c'est pour que, pour la suite, ils puissent pérenniser cette activité, que l'administration pénitentiaire puisse le faire en dehors de l'assistance du CICR. Le problème d'hygiène, je pourrais dire, par rapport aux 2 dernières années, on voit qu'il y a une amélioration. Mais le grand problème qui reste, par exemple, pour cet établissement et particulièrement pour le quartier D, un quartier ici, on a 1100 détenus, c'est le problème d'eau. Et si on n'a pas d'eau, on n'a pas d'hygiène. On a une douche à peu près pour 100 personnes, on a une toilette également pour 80 personnes, mais dans la moyenne, il y a des prisons ou il y a des quartiers qui sont moins équipés qu'ici. On est en train de préparer le boîte, dite boîte de Cartman, destinée pour la désinsectisation des rats. On fait ça souvent parce que, en matière de lutte contre la peste, il faut d'abord tuer les puces avant de tuer les rats. Ça, c'est la base de technique de désinsectisation et de dératisation, ça va en même temps. Là encore, c'est une circulation de rats, vu qu'il y a les crottes là. Ce sont les crottes de rats, donc ça fait un passage aussi pour le rat. Voilà. À la fois pour raison humanitaire, parce que cette population qui ne peut pas se défendre, il faut bien la protéger, mais aussi pour le reste de la société, il était important, à la demande du personnel médical des prisons, que l'Institut Pasteur et la Croix-Rouge s'investissent de ce problème et essayent de lutter contre ces rats dans les prisons. Donc le rat est passé, il est imprégné de l'insecticide qui va tuer les puces dans le rat. En même temps, le rat va revenir dans leur trou et l'insecticide va tuer les larves des puces. Tena manahirana tokoa izany mena miaraka amin'ny voalavo anatin'ny efitrano satria betsaka loatra izy ireny. Na eo am-pisakafoanana ary izany ianao dia misy voalavo anatin'ny efitrano. Amin'ny alina izany tsisy atoriana mihitsy ao anatin'ny efitrano satria manakorotana izy. Eo mitady sakafo moa izy amin'ny alina izy mivoaka parain'andro any tsisy toromaso azo. Mitsambo kely n'ilay fahadiovana dia mifavorize ny fabetsahany le voalavo. Ny aménagement ny angara et le sy ny kano le lalandrano de tsy ampy de ireny any mitobo le voalavo. Ankoatran'izay ny fahadiovana miparitaka le fako sy ny sakafo tsy lany de velona ny voalavo. Ce matin, on a relevé les pièges et ça a très bien déroulé.
on a eu pas mal de rats, dont voici un exemple. Par la suite, nous allons enlever les puces sur les rats, voir si ces puces sont des puces vecteurs de peste, et pour la partie dissection, voir également si on a, dans les organes de rats, il y a des bacilles de peste. Although the spread of plague from rats via fleas to people has been prevented in prisons, the same can't be said for the rest of the country. In rural areas, there is little understanding of the plague. Often it is something to be ashamed of and covered up. As a result, not all cases are reported to the authorities by this vulnerable population spread out across a vast territory. En campagne, en zone pesteuse, la connaissance des gens sur la peste est très limitée. Par manque de sensibilisation. Ils ne connaissent pas les signes cliniques, les manifestations, les mesures à prendre pour contrôler la maladie. Donc il y a des retards dans la prise en charge des cas car ils ne vont pas dans les centres sanitaires que très tard. Quand on a eu rehefa mivadika namay izy dia ohatra mivadika ohatra ny tsy haiko hoe tisy niakatra loatra ve le hafanana ve sa ahoana dia mivadika ohatra ny delira izany dia tonga tamina lafory moa nentina anakany dia tonga tany tsy haiko hoe ao la toninandro na ao la fanjarany dia izy tsy nentiny. Rafred's daughter, Mao Li, is buried on a hill close to the town center where she died 2 years ago. The grave is located 30 kilometers away from her village. Rafred won't be able to retrieve his daughter's body until 2017, after observing a 7-year period imposed by the health authority. Tena lem tondrazy makanto sarotra fa araka lefa didy mipetraka sy zavatra fa ny entao amin'ny hôpitaly toa dia mbola anenjika an'izay izany vao mbo mahazo mikitika azy. Lorsque j'ai appris en rentrant à la maison le soir que mon fils n'a pas seulement toussé, mais il a pris la peste, et c'est une peste pulmonaire, j'étais vraiment choqué. Parce que on a toujours cru que ce sont les gens pauvres dans les campagnes, parce qu'on explique aussi tout le temps que ce sont les rats des champs qui apportent la peste, mais c'est le fils du chef district lui-même. Alors j'étais vraiment choqué, ça c'est vrai. Je pense que la maladie de la peste est due à un problème d'ignorance et sa propagation aussi. L'essentiel, c'est sensibiliser et expliquer aux gens que la maladie de la peste peut être évitée, la maladie de la peste peut être soignée, mais dans un centre hospitalier. Without steps to monitor and check the spread of the disease, the plague is a danger to public health that can quickly get out of hand. But the government has adopted a national strategy to fight the disease. They now keep national statistics for every case of the plague recorded in Madagascar, which is then passed on to the World Health Organization. And with ICRC support, the prevention campaign in prison goes on. Le défi pour cette campagne, c'est de ne pas s'arrêter à la capitale et à cette seule prison, mais c'est de pouvoir développer cette prévention sur l'ensemble du territoire malgache et d'inscrire l'ensemble du système pénitentiaire dans cette campagne de prévention que mènent les autorités.